Bonjour les loulous, est-ce que vous êtes prêts pour les rituels de mathématiques? Alors, nous allons faire comme mardi. Pour les CP, nous allons voir les nombres jusqu'à 30 et dizaines unités. Pour les CE1, et ben, les compléments à 10, des additions en ligne pour essayer de calculer le plus rapidement possible, calcul mental, et les centimes d'euros. Alors, c'est parti, nous allons compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc c'est deux paquets de 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 paquets de 10. Donc maintenant, on essaye de partir à l'envers. On était à 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, 0. Alors, c'est parti. 11, le nombre d'après. 12, le nombre d'avant. 10, alors là, ça commence par 2. 21, le nombre d'après. 22, le nombre d'avant. 20. 15, le nombre d'après, 16, le nombre d'avant, 14. 24, le nombre d'après, 25, le nombre d'avant, 23. 28, le nombre d'avant, 27, le nombre d'après, 29. 12, le nombre d'après, 13, le nombre d'avant, 11. 23, le nombre d'après, 24, le nombre d'avant, 22. Et le dernier, 14, le nombre d'après, 15, le nombre d'avant, 13. Très bien. Alors, je vous montre. Une dizaine et 5 unités. Vous écrivez sur votre ardoise et vous me dites combien ça fait. 15, une dizaine, 10, 5 unités, 5, 10 plus 5, 15. Attention. Une dizaine, 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dizaine, 8 unités. Écrivez-le. Un 1 et un 8. Alors, 1 pour la dizaine, 8 pour les unités. 10 plus 8, 18. 1 dizaine et 6 unités. Écrivez. 16. 10 plus 6. 16. Alors, attention. 2 dizaines et 1 unité. 2 dizaines et 1 unité. Allez-y. 21. 2 dizaines, c'est 20. Plus 1 unité, 21. 2 dizaines et 6 unités. 2 dizaines et 6 unités. Allez-y. 26.
2 dizaines, c'est 20. 10 plus 10, 20. Plus 6 unités, 26. Trois unités plus une dizaine. Trois unités plus une dizaine. Allez-y. Treize. Dix plus trois. Une dizaine, c'est dix et trois unités. Dix plus trois, treize. Alors, on va faire une toute petite révision des doubles. Trois plus trois. 3 plus 3, ça fait 6. Il faut aller vite. 4 plus 4, ça fait 8. 5 plus 5, ça fait 10. 1 plus 1, ça fait 2. Attention, 6 plus 6. Ça, c'est dur, on ne l'avait pas encore vu. Ça fait 12, parce qu'on sait que 6, c'est 5 plus 1. Donc, si on fait 5 plus 5, 10. 1 plus 1, 2. Donc, 6 plus 6, ça fait 12. Alors, maintenant, ça va être au tour des CE1. Donc, les CE1, je vous montre une addition. Alors, on peut, vous savez, faire cette addition en ligne. Moi, je veux qu'on complète 76 à la dizaine supérieure. Donc, 76, on voit un 6, tout de suite, on pense à 4. 76 plus 4, vous êtes d'accord que ça fait 80. Le 4, on l'a pris dans 27. Donc, 27 moins 4, ça fait 23. Donc, ça va faire 80 plus 23, ça fait 103. Vous êtes d'accord que 8 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 10 dizaines, donc ça fait 100. 100 plus 3, 103. C'est parti, vous êtes prêts? Je vous montre des additions. Vous mettez sur pause, vous les faites à cette manière. Vous complétez le premier nombre à la dizaine supérieure avec une partie du deuxième nombre. 42 plus 19, donc vous allez compléter 42 à la dizaine supérieure. Vous mettez sur pause, vous faites. 42 plus 19, donc 42 pour compléter à 50, il faut rajouter 8. Donc 8 plus 11, ça fait bien 19. 42 plus 8, 50. 50 plus 11, bon bah ça fait 5 dizaines plus 1 dizaine, 6 dizaines, 60 plus 1 unité, 61. On continue, 63 plus 39. Alors, 63 pour compléter à la dizaine supérieure, il faut rajouter 7 parce que 3 plus 7, 10. Donc, 63 plus 7, 70. 7, on l'a pris à 39. 7 plus 32, 39. 70 plus 32, 102. 57 plus 15. Alors, pour compléter 57 à la dizaine supérieure, il faut rajouter 3. 57 plus 3, ça fait 60. Donc, 3, il a fallu les retirer à 15. Donc, 3 plus 12, 15. 60 plus 12, 72. Voilà, c'est bien. Maintenant, nous allons réviser les centimes d'euros. Maintenant, nous allons voir qu'un prix en euros peut aussi se changer en centimes. Il faut que tu retiennes que 1 euro, c'est pareil que 100 centimes. Regarde bien, si j'utilise cette ligne, tu vas avoir des repères. 1 euro, c'est la même chose que 100 centimes. Nous allons acheter ce stylo à 2 euros. Je vais donc prendre la pièce de 2 euros. Mais 2 euros, cela vaut combien de centimes? Pause, réfléchis. 2 euros, c'est pareil que 200 centimes. Nous allons acheter maintenant 2 crayons et une gomme. Ils coûtent 5 euros. 5 euros, c'est un billet de 5 euros. Et 5 euros, cela vaut combien de centimes? Pause, réfléchis. 5 euros, c'est la même chose que 500 centimes. Nous allons acheter maintenant ce yo-yo qui coûte 76 centimes.
76 centimes, c'est une pièce de 50 centimes, 20 centimes, 5 centimes et 1 centime. Mais c'est aussi combien d'euros? Pause, réfléchis. Ici, il n'y a pas d'euros. Par conséquent, 76 centimes, c'est pareil que 0 euros et 76 centimes. Achetons maintenant cette clé USB à 9,50 euros. 9,50 euros, c'est 9 euros et 50 centimes. Mais 9,50 euros, cela vaut combien de centimes? Pause, réfléchis. 9,50 euros, c'est pareil que 950 centimes. Regarde bien. Tu vois apparaître ici les 50 centimes. Et 900 centimes, c'est la même chose que 9 euros. Nous continuons nos achats avec ce petit mousqueton. Il ne coûte vraiment pas cher, il coûte 9 centimes. 9 centimes, c'est une pièce de 5 centimes et deux pièces de 2 centimes. Mais 9 centimes, cela vaut combien d'euros? Pause, réfléchis. Ici, il n'y a pas d'euros. Et pas de dizaines de centimes d'euros. Donc, 9 centimes, c'est 0 euros, 0,9 centimes. Pour finir, nous allons acheter ce porte-clés. Il coûte 426 centimes. 426 centimes, cela vaut combien d'euros? Pause, réfléchis. Il va falloir décomposer 426. 426, c'est 400 plus 26 centimes. Et ce qui va te poser problème, ce sont les 400 centimes. Tu sais que 100 centimes, c'est pareil que 1 euro. Donc, 400 centimes, c'est donc 4 euros. 426 centimes, c'est pareil que 4 euros et 26 centimes. Ce porte-clés coûte donc 426 centimes, mais il coûte aussi 4 euros et 26 centimes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que les histoires de centimes commencent à rentrer et que les compléments à 10 aussi, parce que ça fait un moment qu'on les travaille. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.